les gamers, si vous êtes nouveau, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve sur The Crew pour une deuxième, une troisième vidéo. Donc en fait, ça va être une petite mission. Ça va être contre la montre. Ça va être une mission contre la montre. Donc là, je suis avec ma Ford GT 2005, mais ça ne va pas être avec cette auto là que je vais faire pour faire la course. En fait, c'est juste pour me rendre, puis ensuite on va aller à la course avec celle-là, puis après ça on va le faire. Shit, il va vite. J'essaie de le suivre. Donc il y a plein de petites missions comme ça alentour, juste pour émettre. Oh wow. Donc je pense que je vais juste avoir la... Oh non, même pas. J'ai même pas eu la bronze, mais c'est pas grave. C'est pas tellement ça le but de la petite vidéo. Donc oui, je suis de retour des vacances, si on peut appeler ça des vacances. C'était quand même assez le fun. J'ai déballé mes autres cadeaux de chez mon père. C'était quand même assez drôle. C'était très très drôle. J'ai deviné, je pense, la moitié de tous mes cadeaux. On était crampés. Puis il y avait plein d'autres petits trucs aussi qu'on a fait. Mais sérieusement, ça me manquait un petit peu de faire des vidéos, de retrouver... de me retrouver sur mes jeux vidéo, mais c'était pas si grave que ça, puisque bah j'étais en campagne, puis je m'emmerdais pas tant que ça. Mais là je suis de retour, donc j'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous avez réussi à survivre? Je ne sais pas. Et merde. Ok, parfait. J'ai peut-être commencé un petit peu trop loin. Donc là mon char il est tout à mancher. Comment est-ce qu'il est dégommé, mais c'est fou. Donc je l'ai mis une couleur un petit peu Bob Marley, je dirais. C'est rouge, vert et orange. Ça dépend dans le sens qu'on la voit un peu. Donc je pense que cette mission là, ouais, ça existe. Je pense que cette mission là je vais la faire avec ouais, c'est ça, le char tout terrain que je viens de débloquer. Donc dans ce jeu là, il y a plein de missions selon le type de terrain. Mais pour débloquer comme par exemple le mode raid, ben il faudra atteindre le niveau 30. Pour débloquer le mode circuit par exemple, il faut atteindre le mode 50. Donc à chaque level, vous avez de plus en plus de mode pour vos véhicules. Donc là on vient de prendre quelque chose qui a l'air assez important, puis à mon avis il faudra, ouais c'est ça, c'est une course contre la montre, puis il faudra qu'on y arrive dans le temps indiqué. Donc si vous voulez savoir à quel temps ou peu importe, genre à quelle distance que je suis de la fin, regardez en haut à gauche de votre écran, vous allez le voir. En bas à gauche, il y a ma vitesse. En bas à droite, il y a ma map. Ben, ma carte, en fait. Donc, à mon avis, ça devrait être pas si pire. Ça devrait être assez facile comme défi. Si ça va prendre pas trop de temps, ben, je vais faire l'autre. Et merde. Voyez. Yes. Donc, c'est un petit peu difficile à contrôler. Ça dépend vraiment des terrains, en fait. C'est un terrain difficile. Difficile, mais sans flic. Yep. Continue comme ça. Ouais. Sans flic. J'espère qu'il ne se trompe pas, parce que les flics, c'est quand même assez difficile de les perdre. C'est le jeu où est-ce que c'est le plus difficile de perdre la police. En fait, ça dépend vraiment de votre auto puis de où est-ce que vous êtes. Si vous êtes comme par exemple dans des champs, ben, ça va être facile. Mais si vous êtes comme par exemple dans une ville par exemple, ben, ça va être très 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 difficile de les perdre, parce qu'il faudra que vous tournez à gauche puis à droite un peu partout, puis c'est plus difficile. Et merde. Ça commence à être cool là. Sérieusement là, la campagne commence à être vraiment nice. La campagne peut se faire en deux modes, en mode solo comme que je suis en train de faire, puis en mode co-op où est-ce que vous le faites avec votre crew. Mais vous n'êtes pas obligé de créer un crew qui est à vous. Ça, genre dès que vous entrez dans le jeu, vous êtes indiqué à un crew.
Puis en fait, ce que ça va vous faire, c'est que vous pouvez inviter d'autres mondes dans votre crew, comme par exemple vos amis. Puis vous faites les missions ensemble. Donc ça, c'est vraiment cool, sérieusement. Par exemple, ce que j'ai trouvé bizarre de ce jeu-là, mais que je trouve quand même assez cool, c'est qu'il y a un seul serveur dans le jeu. Je sais pas si vous comprenez. Les serveurs, en fait, c'est les parties. Comme par exemple, dans GTA V, quand vous faites changer de partie, ben, vous changez de serveur. Comme dans Black Ops 3, il y a plusieurs serveurs. Il y en a pas juste un. Celui-là, il y a un seul serveur. Ça veut dire que dès que vous allez jouer, ben, vous allez jouer sur la même map que tout le monde entier. Est-ce que vous imaginez si tout le monde entier se dirait « Hey, est-ce qu'on se rejoint sur deux crews? » Ça devrait être débile, le monde qu'il y aura. Mais bon, c'est vrai que la map est énorme, mais ce serait quand même assez difficile. Ben, ce serait quand même assez bizarre. J'espère qu'ils vont faire au moins un deuxième serveur plus tard, parce que s'il y a trop de monde qui vont triper là-dessus, peut-être qu'à un moment donné, ça va être populaire ou peu importe. Là, ce n'est pas tant que ça, mais peut-être que plus tard, si ça va être vraiment, vraiment populaire, si presque la moitié du monde entier y joue, ça va être la destruction totale, un peu comme mon petit camion. Mais il est pas si pire en fait, il est quand même assez résistant. Il est très 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 résistant, il n'y a pas trop de problèmes, il colle très bien à la route. À mon avis, c'est pas ça que vous vous dites là, mais sérieusement, croyez-moi, il tient extrêmement à la route. Il tient super bien comparé aux autres. Un peu comme ma Ford GT, mais c'est pas tellement ça. Ok, j'y suis presque. C'est un petit peu de nitro. Oh shit. Dans les airs, on ne peut pas contrôler, donc c'est ça qui est difficile aussi dans ces types de terrain là. Si vous jumpez, vous pouvez pas le contrôler. Mais pas du tout. Donc c'est quand même assez difficile. Ça rajoute une petite difficulté. Donc là, en fait, c'est d'essayer d'arriver le plus vite possible. Yes. I'm the best. Ok. Je pense que je vais en faire un autre. Ouais. Je vais en faire un autre puis je vais le filmer. Donc là, est-ce que j'ai... Quelle médaille est-ce que j'ai eu? Donc là, je suis level 38. Yeah! Level 38. Parfait. Bientôt 39, puis bientôt 40. Donc ça veut dire que j'aurai le mode... Le mode circuit, je crois. Je suis pas sûr. Ok, j'ai eu la bronze. C'est pas super. C'est correct. C'est correct. Donc je suis vraiment content de revenir sur YouTube. Parfait. J'espère que vous avez eu de très beaux cadeaux. J'espère que vous avez eu ce que vous voulez aussi. Tu devineras jamais ce que conduit le contact. Parfait. Tu es dans les temps et ce run va nous rapporter une belle somme. Bien joué, Alex. Merci beaucoup. Parfait. Donc le mode raid, donc c'est le mode de véhicule que je suis en train de conduire, le mode raid, il est vraiment cool, sérieusement. Mais moi, je l'adore. C'est juste ça que j'ai à dire. Je l'adore, genre, il n'y a pas d'autres mots pour décrire ça. Je l'aime, sérieusement, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de... ils vont très très bien. Et merde, j'essaie de voyage rapide, juste pour me déplacer là. C'est un petit truc que je fais quand que je suis paresseux pour essayer de monter. Et merde, il y a une autre colline. Ah non, il est juste là, parfait. Donc ça, c'est les voitures cachées. Dès que vous voyez ça, vous essayez de vous approcher le plus possible de votre rayon. Où est-ce que ça rayonne un peu? Puis ça va vous guider vers un objet caché que plus tard, quand vous allez avoir 20 de ces objets cachés là, ça va vous donner un auto. Donc c'est quand même assez cool. On peut dire que c'est le fun. Oh putain. Oh wow. Ok, on va essayer de descendre ça. Allez, vas-y. Eh merde. Allez, vas-y. Non, descends, monte pas. Eh merde, je suis bloqué. Drapé CA Québec. Ok, là, la mission qu'il faut que je fasse, tout est par là-bas. Et shit, ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup de kilomètres. Et merde. Ok, donc je vais passer par là. Pourquoi je peux faire un voyage rapide? Bon, parfait. J'essaie vraiment d'être au bout de la map, genre où est-ce que je peux être. Oh shit. Ok, donc ça va être un petit problème. Les montagnes. Et merde. Ok, donc je pense que ça va être un petit problème pour le moment. Donc au pire, je vais couper. Ouais, je vais couper. Yeah. Je vais couper.
Puis on se revoit plus tard pour ben juste quand ce que je vais être proche de la mission. Fait que on se dit à plus tard. Et ciao. Le monde où l'homme et la machine ne font plus qu'un. Et merde. Comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Ah ouais, vas-y, coupe la vidéo. Et merde. Désolé. Un petit problème de montage. Désolé, ça sera pas long. Ta gueule, le narrateur. Bon, je peux te faire une vidéo tranquille là? Oui. Ok, parfait. Merci. Bon, donc nous nous retrouvons. Et je pense que ça va être la même type de course. Est-ce que c'est ça? Non, ça va être une course. Ok, donc ça va pas être le même type de véhicule. Ça va être le même véhicule. Mais ça va être ça va pas être le même mode. Ça va être en mode tout terrain. Donc le mode tout terrain et le mode raid. Je pense que le mode raid, sérieusement, il est meilleur que le mode tout terrain. Peut-être qu'il va un petit peu plus vite, mais... Ok. Donc là, je suis là-dedans avec plein de jumps et plein de trucs. Et il faut que j'échappe à la police. Ok, parfait. Ça, c'est correct. Allons, jump. Oh, ça, c'était beau. J'ai fait une petite live. Yeah. Ok, donc là... Oh, shit. Ok. Donc là, il reste... Wow. Ok, ouais, je pensais que ça allait être aussi facile que ça, mais... Bon. Ils sont pas cons. C'est bon. C'est très bon. Parce que elle savait qu'il... Voilà, patron. Elle savait qu'il avait avoir des polices. Mais elle m'a rien dit du tout. Merci, ça c'est gentil. Allez, dégage, toi. Non, va-t'en. Va-t'en, tu m'énerves. Bon. Le con. Il a essayé de m'avoir, mais ça... Oh, wow, c'est drôle. On va juste comme faire des slaloms ou quoi comme ça. Psych. C'est drôle. J'essaye d'essayer de m'avoir mais il réussit pas. Ok, moi je m'en vais. Allez, ciao. Arrête de... Ah, il est plus gossant qu'un... T'es gossant, lâche-moi. Moi ça, d'un autre hélico, c'est bien correct avec un. Là je commence à être écœuré. Va-t'en. Ah, ils ont laissé faire ou je sais pas trop. Ce qu'ils ont fait. Oh merde, il revient. Comment est-ce qu'il arrive à me suivre? Sérieux. Regardez le petit poulet de merde. Va-t'en poulet, va-t'en. Va-t'en petit poulet. Allez, va-t'en. Dégage, dégage. Va-t'en. Ah, il est pire que... Non, il cage. Bon, ben, ils sont totalement cons. Allez, on y va. Tug life. Oh, shit, oh, ça brosse. Et si bol. Oh, non. Et merde. On va essayer de passer par là. Et voilà. Oh, shit. Comment ça doit brosser là-dedans? Pauvre petit conducteur. Et merde. Oh non. Je vais rester pogné. Avec le raid, je suis sûr et certain que j'aurais pas resté pogné ici. Et merde. Ouais, donc là, je pense que je vais pas y arriver. Là. Non, non, non. C'est tout bad carrément. Wow. Oh, t'es sérieux. Et merde. 450, 6 millions difficiles. Une voiture. Et merde. Ok, bah c'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous du level de véhicule. Je vais essayer de le battre pareil. Parce que je suis un petit tug life. Ok, let's go. J'ai passé la cinématique là. Désolé pour les personnes qui veulent que ce soit un petit peu plus réel là, mais. Parce que je veux vraiment pas me chier. Parfait. J'ai pris un. Non, espèce de coup de merde. Oh, wow. Je vais essayer de passer par là.
Non, pourquoi est-ce que le jet m'a bloqué? Merde. On savait que les flics avaient verrouillé le secteur, mais je pensais pas qu'ils réagiraient aussi. Ça m'énerve. Donc je sais vraiment pas combien de temps est-ce que ça va prendre cette vidéo là. Je pense que ça va être une longue, sérieusement. Elle va durer, je pense, peut-être une vingtaine de minutes ou quelque chose comme ça. Non mais, fais-tu exprès? Je tourne à droite, elle tourne à droite. Je tourne à gauche, elle tourne à gauche. Regardez ça, une fille. Bon, avant c'était un camion, puis là c'est un putain d'hélicoptère. Oh mais. Ok non, je veux pas qu'elle me pourchasse celle-là. Essayez de m'en aller. Faut juste que je sorte du cercle. Ah voilà. Parfait. Faut juste que je sorte du cercle qui clignote rouge et bleu dans ma carte. Quand que je suis sorti, il y a un décompte qui se lance. Puis si je suis toujours en dehors du cercle à la fin du décompte, ben la police va me perdre. Donc là, à mon avis, ça va être le cas. Puis je vais réussir à finir la vidéo. À finir la course. Puis je pense qu'après ça, je suis vraiment désolé, mais je pense que je vais finir la vidéo là. Et voilà. And yes! We are finished. J'ai semé la police. La police. Yeah! En plus, on finit avec un beau petit record. C'est cool. Allez, allez, allez. Ah, c'est quoi? Adhérence. Yes, parfait. Donc là, je suis rendu avec un niveau de 411 pour celui-là. Sérieusement, moi, je l'aime pas trop, ce mode-là. Le mode tout-terrain. C'est pas qu'il est plate, c'est juste que, sérieusement, le raid puis le tout-terrain se ressemblent beaucoup trop. Puis, entre les deux, je préférais le raid. Parce que, sérieusement, il va beaucoup mieux. Mais genre, vraiment beaucoup mieux. Donc, je pense que ça va être tout pour la vidéo. Je suis désolé pour les personnes qui veulent une plus longue vidéo. Mais au moins, ça va vous faire une petite vidéo. Je suis vraiment désolé si la vidéo a sorti quand même assez tard. C'est juste parce que je venais d'arriver. Donc, je viens d'arriver. Il est quelle heure, là? 2 secondes. Laissez-moi checker l'heure. Maintenant, il est minuit 56. Alors que je fais la vidéo. Donc, je suis vraiment désolé pour les personnes qui voulaient une vidéo tôt. Mais je viens d'arriver. Puis là, je suis un petit peu fatigué. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, la partager et vous abonner pour ne pas rater une seule vidéo sur notre chaîne. Ça nous fera extrêmement plaisir. C'était Jules de NGM qui vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Et ciao!